Cette semaine, on se retrouve en extérieur pour le chantier de rénovation de la petite grange qui était à l'annexe du chantier. Il va y avoir de la grosse charpente. Du coup, j'ai fait appel à un pote Max qui est menuisier charpentier qui va me faire profiter de son expérience pour la construction de ce bâtiment. Il va y avoir des engins de levage, il va y avoir de la coupe, de la taille, on va finir tout ça. Je vais faire pas mal de vidéos pendant la semaine histoire de vous montrer un petit peu toute l'évolution et tout le détaillage. Vous allez voir ça. Allez! Du coup, petit récap, on avance bien, pas aussi vite qu'on l'avait pensé, parce que du coup, on est à 3 jours là, et on vient de terminer la découpe et le ponçage de l'intégralité de la charpente. Donc du coup, demain, on assemble, et après-demain, on monte et on met en place avec les engins. Du coup, c'était du gros boulot. Je pense que j'ai jamais eu autant de matos de sortie sur un chantier. Entre la tronçon, la défonceuse, la scie circulaire, les ponceuses excentriques, les ponceuses à bande, il y en a eu des disqueuses, des meuleuses, il y en a eu dans tous les sens. Mais bon, le résultat est vraiment canon, plus que satisfaisant. Demain, on assemble tout, et c'est là qu'on voit si on était bon sur les découpes. Et puis, voilà.
Voilà, la vidéo touche à sa fin. Du coup, j'aurais malheureusement pas pu tout filmer parce que je suis parti bosser à l'intérieur. Max a continué tout seul en extérieur. Il a fait les murs en ossature bois, partout. C'est du mur en ossature bois traditionnel, contreventé avec de l'OSB. On a mis un pare-pluie à l'extérieur et à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, il y a des forts risques de projection de flotte à cause de la piscine. Donc voilà, pour protéger cette ossature, on a mis aussi un petit pare-pluie à l'intérieur. J'ai un pote Richard qui est venu s'occuper de tout ce qui était le bardage. On a bardé en volige à l'intérieur et à l'extérieur, on a mis de la planche en classe 4 à couvre-joint, voilà, pour rester dans le style un peu traditionnel. L'ensemble est vraiment canon. J'avais récupéré une vieille baie vitrée où j'ai sorti les vitrages. Du coup, on a fait des encadrements de fenêtres et on a posé les fenêtres sur la brise. Ça donne beaucoup de luminosité. C'est classe et ça permet aussi de la faire chauffer. Elle prend le soleil un peu toute la journée. Le projet était assez ambitieux parce que c'est quelque chose que j'avais jamais fait, mais je me suis dit voilà, il faut se lancer, et du coup le résultat est canon, donc je suis super content. On avait deux techniques complètement différentes avec Max, de bosser sur les tailles de bois et les coupes de bois, mais au final qui étaient assez complémentaires, donc c'était canon. Le point que j'ai négligé, moi je me suis dit on prend une largeur, une longueur, une hauteur et on sort une charpente. Et en fait, c'est pas si simple que ça. Max est arrivé du coup avec le plan 3D et tous les débits de bois. Ce qui nous a fait gagner, je pense, une à deux semaines, un temps monstre sur la construction. Et c'est surtout qu'on s'est pas posé de questions. On sortait une fiche technique. On avait la longueur de notre poutre, là où on devait percer, là les angles qu'on devait lui donner. Et ça nous a fait gagner un temps monstre, quoi. Je pense qu'on aurait pu le faire à l'ancienne, en prenant les largeurs, longueurs, hauteurs. Mais voilà, on aurait mis une semaine de plus, on se serait galéré. Et je pense forcément qu'il y aurait eu une ou deux bricoles. Donc sur mes futurs projets, je préfère perdre une journée, voire deux, à faire du montage sur plan, sur SketchUp ou AutoCAD, et me sortir la liste des pièces. Mais voilà, ça me permet de voir la cohérence des choses, que tout soit bien assemblé. Et c'est surtout une fois que j'arrive à l'atelier, une fois que je veux fermer des billes d'acier, de bois, de peu importe, de mettre mon projet en place, de plus me poser de questions, et de simplement suivre les cotes de mon projet. Voilà, j'espère que cet abri vous aura plu. Franchement, c'est vraiment canon. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir en actu là, les prochaines vidéos, et puis mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à en faire d'autres. Allez, à très vite, ciao.